Il y en a un qu'ils redoutent. Dans leur langue, son nom est Dovahkiin, fils de dragon. Jean, ici Kevin Valmar, pour vous servir. Hey, hey. Alors, je dois vous informer d'une chose, apparemment, selon YouTube, vous êtes plus de 85% à ne pas vous abonner. Et toujours selon YouTube, vous êtes entre 18 et 35 ans. Alors aussi, toujours selon YouTube, il y a 7% de femmes qui regardent ma chaîne, donc mesdames, vous n'êtes pas nombreuses, mais je vous salue bien bas. Merci de vous intéresser au contenu que je fais. Bon, reprenons le mouton. Donc, si j'en crois la section de votre âge, à moins que vous ayez déjà Alzheimer, ce qui serait problématique pour vous et votre entourage, je vous conseille donc d'appuyer sur le bouton s'abonner. Comme ça, vous pourrez toujours retrouver la chaîne dans votre liste d'abonnements. Et si vous voulez rater aucune des prochaines vidéos qui sortira, vous n'avez qu'à mettre la cloche. Bon, personnellement, je le fais pas, hein. Perso, je ne mets jamais la cloche quand je m'abonne. Le plus souvent, tout ce que j'ai à faire, c'est juste regarder ma liste d'abonnements et voir s'il y a un petit point bleu qui apparaît à côté du nom de la chaîne. Habituellement, dans 95% des cas, ça veut dire qu'une nouvelle vidéo est sortie, donc voilà, c'est le prototype du Valmar, hein, vous en faites ce que vous voulez. Sachez aussi que le Valmar ne gagne aucunement de l'argent sur cette chaîne. Je suis sérieux, je ne fais ça que par passe-temps, parce que j'ai du temps, je peux le faire, etc. Donc ça fait que je propose de découvrir les jeux que je fais, soit parce que c'est des jeux que je connais depuis très longtemps, soit parce que c'est des découvertes que j'ai envie de partager. Donc voilà. Donc le mieux pour soutenir mon travail, hein, c'est juste de mettre un petit pouce bleu. Ça me permet déjà de savoir, un, que vous avez apprécié le contenu, et de deux, ça me permettra de m'aiguiller pour savoir ce que vous préférez, et donc ça me permettra de savoir sur quoi je dois mettre la priorité quand je fais mes vidéos. Et vu que les pouces bleus, c'est un peu mon paiement pour le coup, eh bah, si vous voulez rajouter un pourboire, vous n'avez qu'à mettre un petit commentaire. Ça fait toujours du bien de vous lire, hein, et de savoir ce que vous avez pu penser, etc., de ce que je fais, hein, tout simplement. Bon, évidemment, je ne peux pas non plus vous forcer à mettre un commentaire si vous n'avez rien à dire, hein, donc voilà. Bien que je sois en ce moment derrière vous avec une arme à feu en train de vous viser pour vous obliger à mettre un commentaire, si vous vous êtes retourné pendant que je vous dis ça, eh bien, vous devez vous sentir bien bête, pour le coup. Bref, donc, les Valjean, je vous laisse à la vidéo. Donc, allez, hop, moi, j'ai plus qu'à faire autre chose de ma journée, hein, comme, je sais pas, moi, à faire des vidéos, tiens, en ce moment, j'ai que ça à faire, donc, écoute, je vais faire ça. Vous êtes quelqu'un d'efficace. Avez-vous des conseils à me donner? Parfait. Ces plans devraient nous fournir de précieuses informations. Je crois que nous les avons mis en déroute. Des rumeurs me sont parvenues au sujet de la main d'argent. Certains d'entre eux se terrent à Estmarche. Faites vite! Quoi? Vous ne m'en croyez pas capable?
n'aime pas beaucoup ça. Quoi, qu'est-ce qu'il fait? L'ivresse le fait à nouveau délirer. Sauf que cette fois, il provoque tout le monde en duel. On l'a enfermé là-dedans, mais il continue à défier quiconque le regarde à travers. Ne parlez pas trop fort, vous ne voudriez pas qu'ils l'apprennent.
notre Dlak, la Forge Ciel semble plus vivante. On a toujours dit que les âmes des héros d'antan sont ce qui donne sa force à l'acier de la Forge Ciel. Moi, je crois que la Forge reconnaît la grandeur de l'âme de Kodlak. Je ne peux pas vraiment l'expliquer, mais c'est comme si elle était jeune. Je parie que je pourrais forger du métal comme on n'en a pas vu depuis des temps oubliés. J'ai hâte d'essayer. Hein ? Vous savez qui je suis, imbécile. Pourquoi demander ? Avez-vous des conseils à me donner ? On raconte que vous êtes plus coriace que vous en avez l'air. Nous devrions chasser ensemble à l'occasion. Excellent. Vous êtes parvenu à les forcer à se cacher. Continuez comme ça et nous finirons par les anéantir. Le Jarl d'Estomarche a demandé notre aide. Il semblerait que des prédateurs aient élu domicile dans les environs. Ils se sont mis à attaquer les fermiers et les voyageurs. Quelqu'un doit aller s'occuper des bêtes. Bien. Je savais que nous pouvions compter sur vous. Ce n'est qu'un animal, mais prudence. Les bêtes de bord de ciel sont plus redoutables qu'ailleurs.
raconte que vous êtes plus coriace que vous en avez l'air. Nous devrions chasser ensemble à l'occasion. Excellente nouvelle. Voici votre part. Vous pourriez me faire l'honneur de vous joindre à mes recherches. Un jour, j'ai entendu Skior et Kodlak parler des totems d'Irsin. Ce sont des objets d'apparence très simples, qui sont cependant censés exalter les pouvoirs des loups-garous. J'ai toujours cru que Skior avait abandonné ses recherches, quand Kodlak s'est mis à chercher un remède. Mais dans ses affaires, j'ai trouvé un livre que je n'avais jamais vu auparavant. Il traite entièrement des totems. J'ai contacté mes sources dans les forts, et je crois savoir où l'un d'entre eux se trouve. Voulez-vous m'accompagner ? Nous chassons ensemble. Je serai chez moi si vous me cherchez. Allez Valjean, ici Kevin Valmar à nouveau pour vous servir. Alors, si vous êtes ici, c'est que vous regardez habituellement les scènes post-crédits au cinéma. Bon, je peux pas vous enlever ça, on est de plus en plus nombreux à le faire. Donc, pour ceux qui ont sauté l'intro de la vidéo, ou qui ont sauté les 5 premières minutes, ce qui serait quand même étrange, mais sait-on jamais, n'oubliez pas de vous abonner afin de pouvoir retrouver plus facilement la chaîne. Mettez la petite cloche, histoire d'avoir des notifications par rapport au fait que si jamais je sors un nouveau contenu, bah vous serez prévenu. Bon, perso, je le fais pas, hein, puisque comme j'ai déjà expliqué, il suffit juste de regarder sa liste d'abonnements. Si vous voyez qu'il y a un petit rond bleu qui apparaît à côté du nom de la chaîne, bah c'est tout simplement qu'en fait, dans 95% des cas, il y a une nouvelle vidéo qui a débarqué. Donc, voilà, quoi. Disons que le coup de la cloche, c'est un peu le délire de YouTube, mais bon, on va rien dire. Je vous rappelle aussi que je ne gagne pas d'argent sur cette chaîne, je ne fais ça vraiment que par passe-temps. Donc, si vous voulez soutenir mon travail, le seul truc que vous avez à faire, c'est tout simplement me mettre un petit j'aime, un petit pouce bleu, comme on dit maintenant, tout simplement pour dire que vous avez apprécié le contenu. Et comme ça, ça me permettra au fur et à mesure du temps de savoir ce que vous aimez le plus sur la chaîne, et donc sur quoi je dois mettre la priorité, afin de vous donner toujours du contenu que vous appréciez. Et vous pouvez aussi mettre un petit commentaire, c'est toujours sympa de lire ce que racontent les gens, hein, et surtout ce que vous voulez me dire à moi. Bon, je peux pas vous forcer non plus de mettre des commentaires parce que j'adore vraiment lire les commentaires, je veux vraiment savoir ce qui vous passe par la tête, tout ça, etc. pour mieux savoir ce que je dois faire sur la chaîne, tout ça et compagnie, mais bon, comme j'ai dit, je ne peux pas vous forcer, donc, voilà. Mais pensez-y, hein, ça fait toujours un petit plaisir au petit cœur du petit Valmar, donc voilà. Donc sur ce les agents, à plus, portez-vous bien, mangez des cookies, vous connaissez la suite, et ciao ciao, on se retrouvera donc pour de prochaines vidéos. Allez, à plus.